3 ans à faire cet album parce que je me suis occupée beaucoup de mon fils, donc au départ j'ai travaillé pendant les siestes. Et c'est pas mal parce que ça m'a permis de prendre du temps, donc du recul et éventuellement de retravailler quelques textes, quelques musiques, quelques arrangements. Et... En fait, il y a eu un investissement de A à Z au niveau des compos, au niveau des textes. J'ai aussi donné mes musiques à quelques auteurs comme Jean Fauque, Pierre Grillet, Marc Estève et Boris Bergman. J'ai co-composé quelques titres, 6 titres avec un compositeur anglais qui va aussi réaliser ces 6 titres. Donc forcément, il y a beaucoup d'influence anglaise. Ce qui m'a inspiré beaucoup sur cet album, c'était la pop anglaise. Je voyais bien l'été, le soleil, voilà, plus léger, un petit peu plus léger. Plage, je broie du bitume, j'ai le mal de mer, des dunes au pic, et le sel des ombres m'enrhume, vivement que la nuit me hâle. Quand la ville bat, plongée dans ses néons. Au soleil qui flambe, je tourne le dos. Je suis pas joueuse dans les vagues ou les lames. Il me manque d'un quai de métro. Le jour descendu en flamme. Quand la ville bat, plongée dans ses néons. S'en fiche pas mal, pas mal, pas mal. J'ai fait les musiques en premier cette fois-ci. Et les textes sont venus après, donc en fonction des musiques. Tout simplement. La vie m'inspire, ce que je vis, ce que j'entends autour de moi, ce que les musiques que j'écoute aujourd'hui, celles que j'ai écoutées avant. Donc j'ai pas vraiment d'inspiration précise. On prend deux guitares. Et on cherche des choses et chacun s'amène une idée différente et je trouve ça bien parce que j'ai passé des heures et des heures seule avant sur les albums précédents, seule à faire des trucs et j'enregistrais puis après je réécoutais et puis je sais pas, j'avais pas le même recul quoi. Quand je suis avec quelqu'un, il y a un truc immédiat, c'est-à-dire que l'autre personne me dit « Ouais, ça, attends, moi, il y a un site, si on faisait ça. » Et puis chaque idée en amène une autre, en fait. C'est voilà, on peut rebondir. Voilà, il y avait Gilles Douyeb et Peter Glenister. Et voilà, on a fait ça tous les trois. Enfin, disons que moi, j'ai travaillé avec Gilles d'un côté, puis après, je partais travailler avec Peter de l'autre. Et c'était vraiment agréable de faire comme ça. Pour s'en aller dessus la lune, juste un petit emprunt pour les embruns des dunes. J'en ai marre, dis-moi si... J'ai très envie. Surtout très 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 envie de faire de la scène. J'ai vraiment hâte. Moi je dis quand la
ça te dérange.